Pouf, dur, dur le réveil. J'aimerais bien boire un peu de café, mais j'ai pas de main. Assistante! Ah, merci. Dis donc, Fraise, cette nuit j'ai pensé à un truc de fou. Oh, dès le matin, comme ça? Bon, c'est quoi? Vas-y, dis. Mais Fraise, arrête de râler. Moi, je me demandais si on pouvait retrouver nos racines. Hein? Nos racines? Nos racines de quoi? Nos racines de cheveux? On n'a pas de cheveux. Mais non, nos racines. D'où est-ce qu'on vient? Nos ancêtres, tu vois? D'accord, mais laisse-moi le temps d'émerger, là. Pouf. Oh là là, Mante, mais tu cherches la complication dès le matin. Hein. Moi, je suis pas sûre qu'on ait des ancêtres. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'on vient du magasin. Moi, je suis sûre qu'on a une origine, quelque part. Bon, bah si tu le dis, t'as vraiment des drôles d'idées, toi. Mon Dieu, mais c'est quoi ce bruit? Oh, attention, Fraise! Oh, c'était un chien, en fait. Ah oui, un chien. Bizarre. Bon, parle au lieu d'aboyer, couillonus. Oui, parlez, monsieur le chien, tout de suite. Bon, je savais très bien que ça allait pas marcher, mais pourquoi elle me touche avec ce stylo? Bon, écoutez, Mante et Fraise, j'ai quelque chose à vous dire. Ah bon, qu'est-ce que t'as à nous dire, le chien? Bon, en fait, Mante, t'as raison. Effectivement, vous avez bien des racines. Il va falloir que vous alliez dans le jardin de vos propriétaires. Mais pourquoi elle me touche comme ça, merde? Oui, donc vous allez dans le jardin des propriétaires et puis... Et merde, elle m'a fait tomber. Putain, pour me relever, ça va être la galère. Les gars, aidez-moi. Pff, oh là là. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Mais bon, ça m'a appris une chose, Mante. C'est que t'as raison. On va chercher nos ancêtres. Allez, prends tes clics et tes claques. On part à l'aventure! Ah bah finalement, t'étais bien réveillée, Fraise. Bon, allez, attends-moi, là. Pouf. Prête, Mante. Ce chien inutile m'a redonné la foi. Youhou! Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. À nous deux, Fraise, en route. Les gars, aidez-moi. Assistante, aide-moi. Je peux même pas boire du café. Oh, quelle vie de merde. Ça y est, nous sommes enfin arrivés dans le jardin de nos propriétaires. En route, Fraise. Allez, c'est parti. Regarde cette ferme magnifique. Oui, c'est vrai, elle est plutôt pas mal. Tu crois que c'est quoi comme espèce? Je dirais que c'est une primevère, mais ça, c'est une excellente question. Bref, remettons-nous en route. On a énormément de chemin à faire. Monte, oh là là, on a marché des heures. Et je peux te dire que j'en peux plus. Mon Dieu, Fraise, non! Fraise, ne baisse pas les bras, on a une mission à accomplir. Tu te rappelles pourquoi on est venu? Oui, je m'en rappelle, Mante. Mais je suis trop épuisée. Mon Dieu, un serpent! Je sais ce que vous recherchez. Je suis Glandux, le serpent. Ah ouais, je suis sûre que tu sais même pas pourquoi on vient. Ha, t'es devin? Je ne suis pas devin, mais je suis malin. Et si vous voulez retrouver vos racines... Ah merde, c'est vrai, qui sait en plus? Si vous voulez retrouver vos racines, vous devrez me fournir une fleur de silicon. Pour ce faire, je vais vous fournir un bateau et un cheval, afin que vous vous dépassiez sans vous épuiser. Alors, marché conclu? Franchement, moi je suis crevée, ce serait pas de refus un bateau et un cheval. Allez, au travail. Faites vite, l'heure tourne. Regardez l'horloge souvent. Je vais regarder dans mon manuel de jardinage, mais je crois pas que c'est une fleur de silicon, ça non plus. Et ça, est-ce que c'en est? Ça ressemble un peu quand même. C'est une fleur, merde. Il va pas nous faire chier le Glandux. Ça aussi, c'est une fleur, et une belle fleur. Dis donc, mon cheval, il est KO. Ça va, Marius? Finalement, c'était peut-être ça, le silicon. Non, tu t'étais pas trompé dès le début, toi? Je regarde sur Google. Oui, effectivement, c'était bien ça. Alors, Glandux, maintenant que tu as ta fleur de silicon, tu vas pouvoir parler.
Oui, ceci est bien une sphère de silicon. Je vais vous donner les coordonnées exactes. Bah, c'est quoi ce merdier? C'était censé être de la menthe et c'est des orties, c'est n'importe quoi, en plus ça pique. Et moi je suis super déçu, y a même pas de fleurs sur les fraisiers. Bon allez, y'en a marre, on rentre chez nous. Ah bah finalement c'est mieux d'être à l'abri, surtout qu'il pleuvait, hein. Et puis ce Glandux, n'en parlons pas. Un vrai arnaqueur, il faut qu'il mette des lunettes. Hé hé hé, top là. Les gars, je vous entendais parler, et je me demandais, est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver mes racines à moi, je viens de Provence, ça fait pas trop loin? Ah bah alors là, bon courage, on te conseille Glandux, le serpent, il va te mener en bateau. bon, vous faites des aventures, c'est bien beau, mais moi, ça fait des heures que je suis là au sol. Bon, allez, relève-moi, merci. Merci, complètement, merci.